Namasté Sadhguru, Namaste Sadhguru. Je m'appelle Dipesh, Dipesh, je I viens du am from Kerala. Kerala. J'ai lu des livres, presque une centaine de livres sur la spiritualité. J'aime parler de spiritualité, j'aime philosopher sur la spiritualité, sur le bouddhisme, l'anapanasati yoga, tout. Mais quand il s'agit de pratiquer, je remets ça à plus tard. Comment éviter la paresse? Donc vous ne pouvez pas y penser, vous ne pouvez pas en parler, parce que quoi que vous pensez et dites n'est pas de la spiritualité. Ce n'est même pas de la bonne littérature. Vraiment, croyez-moi, il y a une meilleure littérature dans le monde que les livres spirituels. Si les 100 livres que vous avez lus n'ont pas créé assez de soif en vous pour y faire quelque chose, il n'y a rien de spirituel à propos de ces livres. Si ça crée un désir tel en vous que vous ne puissiez pas vous empêcher d'y faire quelque chose, alors ce livre est bien. Même si ce livre n'est pas spirituel, au moins il est inspirant. Il vous a suffisamment inspiré pour faire un pas. Et un million de mots que vous lisez sont sans conséquence. Si vous faites un petit pas, cela vaut toutes les écritures de la planète. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, faites au moins un petit pas. Maintenant que vous êtes ici, commencez au moins Ishakriya pour 12 minutes. Et j'ai conçu cela spécialement pour des gens comme vous. Il y a des mots dans la méditation. Parce que ceux qui vivent de mots, ceux qui se nourrissent de mots, sans mots, ils ne peuvent pas vivre, vous savez. Il y a assez de belles choses sur cette planète et dans cette existence. Si vous prêtiez suffisamment attention, vous deviendrez sans mots. Mais tout un tas de gens s'épanouissent dans les mots, parce qu'ils n'ont jamais prêté assez attention à quoi que ce soit. Donc, si vous prêtez suffisamment attention, vous allez devenir sans mots, pendant des jours entiers. Quand j'étais un petit garçon, je ne disais pas un mot, parce que qu'y a-t-il à dire? Vous ne pouvez pas absorber le monde autour de vous, c'est trop. Ces deux yeux et ces cinq sens ne suffisent pas à saisir. Ils ne vous donnent presque aucun sens. Donc, quand vous ne prêtez pas attention à la vie, vous allez devenir très amoureux des mots. Et je suis sûr, vous avez dit bouddhisme et tout, donc vous répétez ce que Gautama a dit, ou ce qu'ils ont imprimé en son nom. Oui, parce que si je dis quelque chose aujourd'hui, d'ici demain matin, ça devient 100 versions différentes. Si Gautama a parlé, pauvre homme, il y a 2500 ans, tout ce qu'ils ont dû dire en son nom, ils ont dit trop de choses qui ne sont pas ces mots. Et c'est pourquoi ça devient un isme. C'est devenu un isme, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le Bouddha. Bouddhisme veut dire que tous les gens autour ont créé tout un tas de choses. Bouddha est une chose, bouddhisme est une autre chose. C'est la même chose avec tout le reste. Donc, ne vous nourrissez pas de ces ismes. Commencez juste un processus simple, avec des mots, juste pour vous. S'il vous plaît, faites-le.